Ici, je vais assurer le match nul minimum. Bonjour à tous et bienvenue pour cette rencontre. La météo est incertaine, je préfère vous prévenir. Mais en revanche, je peux vous assurer que tout est prêt pour vous faire vivre ce de match. Torino. L'échauffement a donné quelques indices sur l'importance que les deux équipes accordent à cette rencontre. On a senti de la décontraction, c'est vrai, mais beaucoup de sérieux aussi. En tout cas, l'ambiance est magnifique et les supporters attendent les premières occasions pour vibrer avec nous. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Maybe Arturo Vidal. C'est un milieu de terrain comme on les aime. Super complet, rapide, technique, précis et attention à ses tacles. Oui, je suis plutôt d'accord. Sergio Oliveira. Le Torino qui a trouvé l'efficacité offensive. Ça fait 5 matchs d'affilée maintenant qu'il marque systématiquement. Bon dégagement, bien joué. Il se rattrape bien. Il passe en retrait au gardien. Mbemba. Sergio Oliveira. C'est bien donné, sur le côté. Il est tout seul. Il y a peut-être un coup à jouer. Ce sera un sang. Et la tête! Oh! Il fait marquer et tout. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. Les Torino profitent de leur faiblesse sur les ailes. Remarquez, leur action n'est pas brillant non plus. Ils s'en sortent plutôt bien, je dirais. Premier corner dans cette rencontre. Des deux points. Ça joue beaucoup sur les ailes, ça peut être une solution. Oui, face à une défense regroupée, c'est souvent la meilleure option pour trouver des espaces. Donc c'est plutôt intelligent. Un long ballon vers l'avant. Bonne interception, il y avait danger. Marega. La profondeur, bien vu. Zaza ! C'était bien joué, dommage. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Voyons ce que va donner ce corner. Pour sa défense. Sergio Oliveira qui cherche à construire. Un centre dans la surface. Ça ne passe pas. Gagliardini. Peut-être une occasion pour Christian Eriksen. Odriozola. La passe en retrait vers son défenseur. Et on attend encore le premier but de cette rencontre. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Gagliardini. Faute, oui, faute et coup franc à venir. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Vidal. Perisic. Oh, voici Lukaku. Le ballon piqué sur le côté. Il ne résiste pas au contact.
Odriozola. Jolie accélération sur l'aile droite. Elle continue sa course. Il peut centrer et il prend sa chance. Il peut encore frapper. Bah oui, Lazaro Tarino. Le gardien était bien présent sur la première tentative, mais il n'a rien pu faire sur la deuxième. Il est très malin sur ce coup-là. Il profite des errements de la défense. Il est parfait. La séquence est facile. 1-0, on est reparti. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. C'est joué long. Avec Brozovic. Il choisit la profondeur. Ça peut être dangereux. Ça n'ira pas au bout. Il allonge vers l'avant. Mbemba. Le Torino qui peut avancer. Allez. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ils mènent donc 1-0. Quel jaillissement! Le gros dégagement. Bonne lecture de la trajectoire. Odriozola. Le Torino qui est toujours devant dans ce match à quelques instants de la pause. La tête. Vidal. Perisic. Marega reçoit le ballon. On le contre, l'arme fatale. Il file vers le but. Faut frapper là. Fais de zéro, Montagora. Bien vu d'avance, la différence est faite. Et vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Oh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous et vite. C'est reparti sur ce score de 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Skriniar. Et l'arbitre qui met un terme à cette première période. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et c'est reparti. Kolarov. Gagliardini. Stéphane De Vrij. Milan qui a soutenu son entraîneur et pourtant il a subi le feu des critiques après le dernier match. C'est vrai, le manager a pourtant bien essayé de se justifier depuis. Mais on sent qu'il n'y croit pas tellement. Il sait Simone Zaza. Et l'entraîneur, Simone Zaza. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait. C'est un public de connaisseurs. Il salue sa sortie comme il se doit. Décide d'allonger le jeu. Et ils essaient de repartir de derrière. Mbemba. Sergio Oliveira.
Christian Eriksen. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Oh, Christian Eriksen. Et il perd l'équilibre. La faute est sifflée. Lumineuse. Ah, il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. La longue passe. Long ballon dans le sens du jeu. Ça peut être extrêmement dangereux. C'est joué long. Le bon dribble. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Ça joue long vers l'avant. Brozovic. Voici Lukaku. Ça peut être dangereux. Bien repoussé par le gardien. Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Et c'est donc un changement. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur a battu sa deuxième carte. Le corner est joué court. Il est en bonne position pour centrer. Il saigne sous la pression. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Mariga. Il a trébuché sur cette intervention. Donc ça va partir vite. Perisic. La passe est précise. Alexis Sanchez. Qui est le premier sur ce ballon? Il tire. Dommage. Mais quel destin là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Sergio Oliveira. C'est écarté, bien fait. Bonne intervention. Il est passé. Et ce ballon vers la surface. Bien, un peu de répit. Le ballon s'en touche. Milan qui procède à un autre changement. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. C'est une remise en jeu. Il centre. Oh, la tête. Ils sont passés tout près du 3-0. Il aurait pu les mettre définitivement à l'abri et il le sait. C'est repoussé. Et encore une fois, ils sont solides. Le Torino qui gère tranquillement ses deux buts d'avance dans cette fin de match.
s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Dans la profondeur. Pas d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. Les gestes mal maîtrisés, logique cette sanction, carton jaune. Le Torino qui compte maintenant deux joueurs avertis. Alors là, soit il a surestimé ses talents, soit il n'a pas réfléchi. Une faute, ce n'est jamais anodin. Attention. Ça va sur l'aile. Va-t-il en profiter ? Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça, il ne faut pas se rater. Pour Alexis Sanchez. La tentative. Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu. Sergio Oliveira. C'est joué long, attention. Et il repique au centre. Oh, la frappe. Christian Eriksen. Coup de sifflet.